Hola. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer plusieurs maquillages que j'aime beaucoup en ce moment. Parce que oui, c'est par période. Des fois, il y a des périodes où que j'aime ci, d'autres où que j'aime ça. Je vous avais posé un sondage en Insta Story. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je mets ici, voilà, n'hésitez pas à me suivre en vous demandant si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo de ce genre, et vous avez été nombreux à répondre oui. Du coup, c'est pour ça que je vous la fais. En plus, moi, c'est vrai que voilà, avant je disais que j'allais jamais parler de maquillage machin, mais vraiment maintenant, enfin, j'ai grandi quand même par rapport à les débuts de ma chaîne, et du coup c'est vrai que maintenant j'aime beaucoup le maquillage. Donc du coup, je suis super contente de vous faire cette vidéo. Ça vous fera peut-être découvrir des petits produits. Qui sait, peut-être, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, donc, il y aura 3 catégories. Il y aura la catégorie yeux, il y aura la catégorie lèvres et la catégorie teint. Donc, je vais commencer par la catégorie yeux, allez. Donc, il y a plusieurs palettes que je vais vous présenter, mais il y en a 3 de la même marque, parce que c'est sans hésiter ma marque préférée de maquillage. C'est tellement beau au niveau packaging, odeur, pigmentation, couleur, palette, enfin je pense que vous avez deviné, mais c'est la marque Too Faced. C'est vraiment trop beau, j'adore cette marque. En plus, pendant les vacances d'été, je vais aller à Londres, donc qui dit Londres dit la boutique Too Faced, évidemment. Je commence par vous présenter une palette qui est très naturelle. Si vous recherchez à faire des maquillages vraiment très naturels, qui se voient légèrement mais un petit peu, je vous conseille vraiment cette palette-ci. Donc c'est la Chocolate White, ouais, White Chocolate Bar, et elle est super belle et elle sent super bon, pigmenté, et ça s'estompe super bien comme tous les fards Too Faced. De toute façon, c'est mes fards préférés vraiment. Comme deuxième palette, alors c'est la Peach que je vais vous présenter, parce que je la trouve vraiment super belle pour l'été comme pour l'hiver en fait, et les couleurs sont très belles. C'est un peu plus voyant que la Chocolate White, enfin la Chocolate Bar White, mais c'est tout aussi naturel. Enfin, on peut faire des maquillages vraiment super beaux, et ça sent la pêche comme vous l'avez deviné. Le packaging est vraiment trop beau aussi. Et ensuite aussi, je vais vous présenter une autre palette qui est beaucoup plus voyante. Enfin, beaucoup plus brillante. Quand vous la verrez comme ça, vous allez vous dire waouh, comment on va mettre ça. Mais finalement, on peut faire vraiment de tout le maquillage avec. Donc c'est la Chocolate Gold, et on peut faire vraiment des maquillages voyants, comme moins voyants, comme naturels à peu près. Enfin, vous voyez là ce que j'ai fait. Je sais pas si ça se voit parce que la caméra, je sais jamais, un coup on voit, un coup on voit pas. Mais j'ai fait avec la Chocolate Gold, et du coup je trouve qu'on, enfin, c'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Du coup, j'aime trop cette palette. En plus, ça fait un énorme miroir et ça sent super bon, et j'adore. Voilà. J'ai une autre palette de yeux à vous présenter. Donc ce coup là c'est une autre gamme de prix, et vraiment méga bien, vraiment. Donc c'est la palette de Elsa Makeup. Je pense que vous la connaissez tous. Donc elle a fait en fait une marque de maquillage qu'elle vend sur le site de Sponjac. Très naturelle, les fards sont très pigmentés, très faciles à travailler. Enfin vraiment j'aime trop, elle a même fait des pinceaux que j'adore aussi. Vraiment je vous conseille d'aller voir son site, parce qu'il y a souvent des promos genre 50% et tout. Donc si ça vous intéresse, ben n'hésitez pas à aller voir. Ensuite je vais passer à la catégorie lèvres. Donc j'ai plusieurs produits lèvres à vous montrer. Tout d'abord, je vais commencer par toujours la marque Too Faced, voilà ma marque préférée. Un gloss, donc c'est le Peach celui-ci, et il sent trop bon la pêche. D'ailleurs la couleur est très naturelle, c'est celui que je porte sur les lèvres, voilà. Je sais pas si on voit très bien, mais j'aime trop. C'est hyper facile à appliquer, parce que vous avez un petit embout mousse, vous savez, et c'est vraiment super pratique. Et quand il part, il reste encore une petite couleur légère sur les lèvres, donc c'est vraiment super beau. Et toujours dans la marque Too Faced, il y a de nouveau, enfin vous avez sans doute vu la nouvelle collection de Too Faced qui ont sorti. Et donc ces deux rouges à lèvres là, je pense que vous les connaissez, vous savez, c'est la Naturally, enfin je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est la marque, le nom de la collection. Mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sentent super bon. Vraiment, ils sentent hyper bon, les couleurs sont magnifiques, ils s'appliquent super bien, ils tiennent vraiment très bien aussi. Ça fait une texture un peu crémeuse, vous savez, ça fait un petit peu brillant mais coloré, enfin, c'est super beau. Je vous conseille vraiment d'aller les essayer en magasin. Ensuite, une autre marque de rouge à lèvres, donc c'est de chez Clinique. Et c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il hydrate et il laisse les lèvres colorées. Donc voilà, c'est super beau. Celui-ci, c'est le Plump Pop. Et donc, ouais, il est vraiment très beau, il tient très bien, il s'applique très bien. Puis comme je vous dis, il hydrate, donc ça, c'est vraiment top. Et une autre gamme de prix, encore une fois, qui est beaucoup moins chère, c'est un gloss de chez Kiko. Je le trouve vraiment hyper beau, rien que le packaging avec le bouchon en verre, comme ça, c'est super beau. Et donc, c'est un pailleté. J'adore les paillettes, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop. Et ça fait super beau que vous le mettez comme ça sur les lèvres sans rien, ou par-dessus un rouge à lèvres. Ça donne un rendu vraiment très joli. Et je l'ai coûté moins de 10 euros en plus.
Donc c'est cool. Et ensuite, on va passer à la catégorie teint, donc qui est la dernière catégorie. Donc je vais commencer par le produit teint, qui est le seul produit teint que je mets. Ceci, c'est une crème, enfin une bébé crème nude de chez Herborian, qui est vraiment top top top. Si vous recherchez un côté naturel, mais qui couvre un petit peu, mais vraiment légèrement, c'est ça qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez quelque chose qui couvre vraiment énormément les imperfections, faut pas vous diriger vers ça, mais plus vers un fond de teint. Ça, si vous recherchez vraiment un côté naturel, enfin, moi c'est ce que je porte. J'aime beaucoup, je l'applique avec un beauty blender et ça va très très bien. Et enfin, dernier produit qui sont, je pense, mes produits préférés en maquillage. Enfin, je sais pas, ouais si, je pense. C'est des highlighters. Donc j'ai trois palettes, enfin trois types d'highlighters à vous montrer. En premier, je vais commencer par un qui est ouf, ouf, ouf. Donc c'est le Fenty Beauty. Donc vous savez, les highlighters Fenty Beauty sont vraiment ouf. Et donc celui-là, c'est un de la nouvelle collection que j'avais acheté à la soirée Sephora où il y avait 25% sur tout le magasin. Mais vraiment tout, même les marques exclues. Donc par exemple les palettes Too Faced, il y avait 25%. Et il est vraiment trop beau. Comme ça les couleurs, ça peut vous paraître, ouais, bleu, machin. Mais franchement c'est super beau. J'adore le rendu que ça rend. J'adore le rendu que ça rend. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Ensuite il y a une palette de chez Benefit aussi que j'ai acheté lors de cette soirée, parce qu'il y avait 25%. Que j'aime beaucoup aussi parce que dedans il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Donc moi le bronzer je ne mets pas parce que je mets pas de bronzer, mais j'utilise parfois en fard à paupières. Ensuite il y a l'highlighter que j'aime beaucoup, celui que je porte. Je sais pas si on voit très bien, si je crois qu'on voit. Oh, j'aime trop l'highlighter vraiment. Et ensuite il y a le blush qui est donc le rocateur. Donc le rocateur est vraiment très naturel. Moi je ne mets pas de blush en général, mais celui-ci je le mets parce qu'il est vraiment, comme je vous le dis, très naturel. Et ensuite une autre gamme de prix encore. Ce coup-ci c'est une palette de chez Primark ou Primark comme vous voulez. Donc il y a 4 highlighters dedans et ils sont super beaux aussi, très pigmentés. Elle a coûté cette palette genre moins de 10€, peut-être 6€. Et vraiment je vous conseille d'aller voir à Primark pour les maquillages parce qu'ils sont vraiment très bien. Enfin, la palette d'highlighter est très bien, c'est le seul truc que j'ai testé. Et j'aime beaucoup vraiment, je vous conseille d'aller voir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que peut-être que ça vous a fait découvrir de nouveaux maquillages que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je refasse un peu plus tard une autre vidéo de ce genre, mais avec d'autres produits, quand j'aurai d'autres produits du moment que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux aussi qui sont en barre d'infos. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans le bus.